La variable, dans ce cas-ci, c'est n, mais ça peut être une lettre, peu importe la lettre. Et on va attribuer, dans le fond, différentes valeurs selon différentes situations. Et le coefficient, donc le nombre qui vient devant la variable, est en fait le nombre qui multiplie la variable. Dans ce cas-ci, 2n, ce serait donc de dire 2 fois n. Le 1, dans ce cas-ci, c'est notre constante. Donc, ici, c'est plus 1, donc c'est une addition. Donc, on va toujours avoir au moins 1, et auquel va s'ajouter la multiplication du coefficient par la variable, donc c'est-à-dire 2 fois et la variable qui va changer selon les différentes situations. Dans un contexte géométrique, ici, un triangle isocèle serait intéressant pour cette expression algébrique. Et, par exemple, dans un triangle isocèle, alors j'ai deux côtés de la même longueur, donc 2n, et une base, par exemple, de 1. Alors, j'aurai alors l'expression algébrique 2n plus 1. Également ici, dans un rectangle, par exemple, ma base pourrait être de n et mes côtés de 0,5, donc deux côtés à 0,5 font 1. Alors ici, on verrait 2n plus 1. Donc, dans l'expression algébrique 2n plus 1, je pourrais représenter graphiquement cette expression algébrique-là. Alors, tout d'abord, ici, j'ai 1, donc j'ai un paquet de quoi? J'ai un paquet de 2, donc ici, j'ai vraiment un paquet de 2. Et mon terme constant qui est 1 ici, qui est ajouté, donc 2n plus 1. Ensuite, avec la variable 2, alors j'ai 2 paquets de 2. Alors ici, à 3, j'ai des paquets de 2, j'en ai 3. Des paquets de 2 ici, j'en ai 4. Et des paquets de 2 ici, j'en ai 5. Alors, on peut bien voir ici que, visuellement parlant, finalement, avec les cubes, que ça varie toujours de 2. De là, mon terme algébrique 2n. Et ici, donc, même à 0, on part avec notre terme constant qui est 1, donc plus 1. Alors, j'ai mon terme constant ici. Alors, l'expression algébrique 2n plus 1.